avec la pandémie, on a changé notre façon de travailler. On essaye de se sécuriser au maximum. Et donc pour cela, on a équipé nos agents d'appareils de protection, donc des gants, des masques, afin qu'ils puissent faire leur tournée en toute sécurité. On a le soutien des administrés qui nous encouragent, qui nous remercient. Ok, c'est parfait. À l'heure actuelle, nous, les missions prioritaires sont le respect du confinement. On a quelques sollicitations pour des nuisances parce que le fait justement d'être en confinement, les gens dans les logements, ils commencent à tourner en rond, certains s'impatientent et des fois ça crée du désordre à l'égard des autres, des voisins, riverains. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien en termes de cohabitation sur les logements. Après, il y a une autre problématique sur le domaine public où les beaux jours arrivant, les gens et les gens entendant dans les journaux, réseaux sociaux, un allègement du confinement, certaines libertés ont été prises et on doit faire en sorte, nous, que justement ces règles de confinement soient respectées pour la sécurité de tout le monde. Très bien, madame. On vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Ce qu'on a mis en place, effectivement, c'est la plateforme d'entraide où on a un certain nombre de personnes qui se sont dévouées pour faire des actions de bénévolat auprès des personnes en difficulté. Donc on a 120 personnes inscrites pour donner de l'aide et actuellement on a répondu, on a pu mettre en lien avec 40 personnes qui avaient de grandes difficultés. Donc ce sont des attestations, des démarches administratives, des appels pour rompre l'isolement. Vous avez contacté dans le cadre d'une aide pour faire les courses, mais pas tout de suite. Donc je voulais voir un petit peu avec vous ce que vous souhaitiez exactement. Ce qu'on fait aussi comme activité, c'est l'appel aux personnes qui étaient inscrites sur le registre canicule, qu'on a renommé registre crise sanitaire. On a à peu près 200 personnes âgées qui étaient inscrites ou handicapées. Et ces personnes-là, on les appelle très très régulièrement parce qu'on sait qu'en temps de confinement, c'est très compliqué pour elles d'être seules, parfois sans vraiment beaucoup de nouvelles de la famille, etc. Au niveau de la réussite éducative aussi, pour aider ces familles dans l'aide aux devoirs, parce qu'elles peuvent avoir de grandes difficultés avec leurs enfants pour continuer à distance l'école. Elles n'ont pas forcément le bon équipement, ou ne savent pas l'utiliser, donc il y a besoin d'un soutien quotidien auprès de ces familles. C'est pas bon ça, hein ? À domicile ? Alors tout ce qui touche à la restauration, les trois agents qui faisaient de la livraison de repas à domicile poursuivent leur activité sans discontinuer. Et pour les personnes qui venaient manger au restaurant, on a mis en place un drive puisqu'elles ne peuvent plus se réunir dans la salle de restauration. Donc on a mis en place un drive, donc ce sont des plats à emporter qu'elles viennent chercher tous les midis. On les confectionne ici et on leur donne par la fenêtre tous les midis. On a adapté nos services à la problématique aujourd'hui du confinement. Donc on a fait un petit peu un service sur mesure au niveau des repas par exemple, où le self aujourd'hui, c'est du porte-à-porte où l'équipe se répartit les repas et livre chaque appartement. Et ensuite, par exemple, notre idée, notre suggestion qu'on avait émise, c'est de faire une conciergerie. Et cette conciergerie fonctionne très très bien puisqu'en fait, on a un bus avec un agent dédié qui fait les courses tous les après-midi et qui va rendre des menus services sur de la pharmacie et autres. Et le reste du temps participe à la désinfection des locaux. On est très bien ici, très bien servi et on fait attention à nous. Voilà, on a une très bonne équipe. Ça faut faire avec, qu'est-ce que vous voulez. On est punis, mais bon, c'est comme ça. Il y a plus malheureux que nous. C'est ça, c'est juste ça. Allez, ben merci. Allez, merci beaucoup. Allez, à plus. Au revoir. On a ouvert lundi soir, effectivement, 7 appartements, un pour les gardiens, un qui sert de salle d'eau et 5 pour les personnes sans abri, sans toit, qui sont repérées lors des maraudes. Et donc on leur a proposé le bâtiment 1 aujourd'hui, qui fonctionne vraiment de manière optimale, avec des repas, avec un accompagnement. Et aujourd'hui, je crois que l'ensemble des partenaires est satisfait, ainsi que les personnes abritées qui reviennent tous les soirs dans cet espace.
les gens ils sont beaucoup plus sympathiques que d'habitude, on va dire. Ils nous complimentent, ils nous applaudissent. Ils nous font même des desserts. Les enfants nous font beaucoup de desserts. On nous félicite et ça fait toujours plaisir. On accueille les enfants du coup tous les mercredis sur les horaires habituels, mais on accueille du coup que les personnes qui sont en gestion de la crise. Donc on a le personnel soignant, on a les auxiliaires de vie, on accueille aussi les enfants des familles de policiers, gendarmes. Il y a toute une catégorie de personnes qui a droit à cet accueil et donc on est là tous les mercredis pour l'assurer. Donc on les sensibilise aux bonnes manières, mais ils passent surtout du temps avec leurs copains et ça leur fait du bien.